Donc la dernière fois quand on s'était laissé, on avait vu un petit peu comment simuler, enlever la partie serveur, donc serveur applicatif pour valider les tests de communication. Donc on avait utilisé principalement NC pour aller taper, donc pour essayer un peu d'enlever les intermédiaires. Tu sais, c'est comme si tu fais un serveur web, ben, tu essayes d'enlever le browser, peut-être que c'est le browser le problème. Est-ce que c'est le Apache? Donc essayer d'enlever l'ensemble des couches qui font beaucoup d'opérations autour pour simplifier au maximum, donc avec Telnet, là on voit juste le tree handshake, donc réduire au maximum les intermédiaires pour que ça soit le plus simple possible, pour que ça soit le plus facile à déboguer. Donc c'était ça, on s'était un petit peu laissé là-dessus avec l'utilisation de bon, la NC en UDP, mais on l'avait principalement vu avec le NC en TCP, puis que quand on envoyait des instructions, ben, ça écrivait ce qu'on avait tapé dans notre terminal. Donc on s'était laissé là-dessus. Aujourd'hui, quand j'avais envoyé par email, ce qu'on va voir, on va voir le problème de l'utilisation des DNS avec l'adresse IP externe-interne. Ça, c'est une situation qui arrive régulièrement. Ça va être malheureusement juste théorique parce que j'ai pas d'exemple à l'interne. J'ai pas mis un environnement pour setuper tout ça, mais on va voir le détail quand même. Et ce qu'on va voir, c'est comment sniffer le SSL. Donc, ça va être les deux points de la journée. Donc, souvent, quand on avait dit, ça c'est le schéma, on va le mettre ici, ça va être plus facile à voir. Ça, c'est on a trois chemins qui sont utilisés. Le chemin en bleu, c'est un utilisateur externe qui établit une connexion à travers Internet pour aller taper l'adresse IP. Donc, j'avais mis 64, vous voyez bien? Ouais, 64, 73, 4, 82 sur le port 80. Quand ça tape sur le firewall, il fait du port forward, donc du destination NAT. Il va changer l'adresse et il l'envoie après dans la DMZ à l'adresse IP 192, 168, 66, 20. Donc, c'est ce qu'on fait aussi chez nous quand vous avez aussi, vous avez un link 6 puis que vous voulez faire forwarder des ports. Bah, c'est C'est 4. pas le même IP, je veux dire. Ça, c'est l'adresse IP externe. Ça, c'est l'adresse IP interne. Celle-là, parce que j'ai mis un slash 29. Donc, ce serveur, ce firewall-là, gère plusieurs adresses IP publiques. Ici, 29, c'est 14 de mémoire. Mais voilà, on va en profiter. Slash 29, IP calc. Ou alors, vous pouvez le calculer à la main si vous avez envie de vous faire chier. Ça c'est libre à vous là. 4,80 slash 29. Hop, ah c'est 6, tu vois. Donc il y a 6 adresses IP, donc il va fournir les adresses IP 81, 86. Donc c'est pour ça que c'est pas la même adresse IP qui est indiquée. Mais c'est une bonne question, ça nous permet de revenir là-dessus un petit peu parce qu'on avait passé un peu vite. Si on prend une utilisation interne, on va avoir le client ici, donc qui est en 192, 168, 10, 30, slash 24, c'est qui a 255 machines, qui va aller taper directement et ça passe pas par le firewall parce que sinon il utilise l'adresse IP interne pour communiquer. Et on va justement voir l'utilisation, pourquoi on doit définir justement ces DNS. Donc, le. Ça. Si vous revoyez souvent ici, ce qu'on a, c'est que la résolution qui est faite pour un même hostname, quand c'est à l'interne et à l'externe, c'est pas le même. Donc, en fait, le DNS, il a deux vues différentes pour faire la gestion. Donc, si tu tapes www.toto.com, ben, puis tu l'héberges, ben, à l'externe, à l'interne, c'est deux adresses DNS différentes. C'est ce qu'on appelle une vue. Donc là, j'ai mis mouton.xerus.com. Pourquoi? Parce que quand tu es à l'interne, il n'y a pas besoin d'avoir la redirection du port. Okay? Donc, on dit, ah, mais si ça passe par le firewall, ça ne marche pas, tu ne peux pas faire ça. Mais la question, c'est, pourquoi tu ne peux pas faire ça? Donc, on va voir le processus quand le client, justement, donc la flèche rouge, le chemin qui ne marche pas,
Qu'est-ce qui se passe quand le client, s'il n'utilise pas l'adresse IP interne, qu'est-ce qui va se passer et pourquoi ça va bloquer au niveau du firewall? C'est bien beau de dire que ça ne marche pas, mais il y a une raison à ça, pourquoi ça ne marche pas. Je vais juste le mettre en original. Okay. Ah, j'en avais une autre version, mais c'est pas grave. Je vais me baser sur IP tables, mais c'est la même chose. Donc, là, on va faire l'exemple justement, donc le chemin rouge. Le client communique avec l'adresse IP externe. Donc, qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va faire la résolution du nom. La résolution du nom, ça va lui donner 64, donc l'adresse IP externe. Il va regarder dans sa table de routage. Sa table de routage lui dit, c'est pas pour moi, c'est pour l'externe. Donc, il va envoyer à la gateway par défaut. Donc, ça, ça va sortir et ça va aller donc, dans la table ici et ça va aller vers le firewall. Okay. Le firewall, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, OK, la source, c'est 192.168.10.30 avec un adresse, un port dynamique. Et il va dire, OK, quand on demande 64.74.4.82, il va faire un destination, il va changer la source parce que là, ça demande à accéder sur Internet. Il fait du mask, comme quand je vais chez Google, par exemple. Chez Google, je sors, j'ai mon adresse IP interne 192, je sors du firewall, il change le from pour que quand Google va répondre, il ne réponde pas avec 192, donc une adresse interne, il va répondre au firewall. Donc là, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va changer la source pour mettre... Là, c'est pour ça que j'avais mis un slash 29. Mettons que ça sort par le 81. Okay. Donc, le paquet maintenant, il est prêt à sortir sur le WAN. Le problème, c'est que quand ça va essayer de revenir, c'est que la destination et la source, c'est le même en fait. C'est pour ça que le firewall, il n'arrive plus à refaire la concordance. C'est qu'une fois qu'il a changé l'adresse IP de source pour mettre lui-même, il n'arrive pas à renvoyer vers le serveur. La destination NAT ne se fait plus. C'est pour ça qu'on va voir dans le NetFlow ici. Moi, j'aime beaucoup, mais... Ça, c'est... On voit justement la couche applicative, la couche protocole, network, donc de transport, le IP. Et ici, c'est link layer, mais ça, on va le mettre de côté. Quand le paquet il arrive dans le firewall, la première chose qu'il fait, c'est qu'il fait du pre-routing. Donc, il va faire la conversion de la... il va faire le masquerade, en fait. Donc, il va changer l'adresse IP source pour quand ça sort sur Internet. Okay. Donc, quand il va faire le natting, en fait. Hop. Je vais juste me référer là. Pas mis plus d'informations. Donc, il va faire le natting. Après, il va prendre la décision. Est-ce qu'il doit l'envoyer vers le WAN? Post-routing. Il va regarder s'il l'accepte en input. Donc là, on va partir du principe que c'est accepté. Et le... Attends. Putain, je l'ai pas écrit ici. C'est que le problème, c'est qu'une fois qu'il a fait le natting, il n'est plus capable de faire le port. Non, c'est ça. Le pre-routing, c'est là qu'il fait la redirection du port. Excusez-moi, je me suis trompé. Ici, c'est là qu'il va faire le destination NAT, où il va changer la destination des paquets. Et le post-routing, c'est quand ça va sortir où il change l'adresse. Donc, le problème, c'est qu'il n'arrive plus à faire la concordance pour pouvoir faire la redirection vers l'interne une fois qu'il a changé la source. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des moyens de contourner ça. Le problème, c'est que ça voudrait dire qu'à chaque règle de port forward que tu fais, tu serais obligé de redéfinir trois règles en plus pour faire la solution de contournement. C'est pour ça que généralement, on essaye de ne pas le faire. Parce que ça complexifie énormément le firewall.
Donc, c'est pour ça c'est beaucoup plus facile d'avoir un serveur DNS qui gère les deux zones, une pour l'interne, une pour l'externe, et garder juste un set de règles plutôt qu'avoir plusieurs règles qui vont faire des manipulations de paquets à l'intérieur. J'aurais pu étoffer un peu plus l'explication. Quand j'étais dans le train, c'était plus clair que ça. Donc, c'est toujours ça. Donc, après le pre-routing. Donc, on va passer par la communication SSL. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déchiffrer, puis on va voir les problèmes qu'on peut rencontrer. Pourquoi ça. Bon, j'ai déjà entendu dire ça marche parfois ça marche pas. Donc, on va juste clarifier pourquoi ça marche pas parfois. Donc, là, j'ai un site web qui est en SSL. Donc, je vais le regarder, juste vérifier qu'il marche bien. PLDR show, je vais le démarrer. Apache start. Oh, merci. Donc sur l'adresse IP2. En HTTPS. Là, ben, j'ai le petit warning à cause que mon certificat il n'est pas bon parce qu'il est self-signed, c'est normal. Okay, cool. Ouais, c'est l'image. Ah, ok. Tu te rappelles qu'on avait fait avec, selon le referrer parce que si j'avais écrit le nom, d'ailleurs, je dois encore en avoir. C'était dans la formation Apache que j'ai fait où je fais le Linux. Si j'avais utilisé HTTPS avec le hostname, ça pointe vers le même serveur, mais ce qu'on avait fait, c'est que selon la provenance, si tu mettais le hostname du serveur à l'intérieur, ben, l'image n'allait pas la même en fait. Donc tu sais, ça met site A, mais on faisait une redirection pour que ça soit une autre image. Donc, c'est pour ça qu'on va prendre la vraie, le plus joli. Donc ici, donc là, je communique bien en SSL. Bon, j'ai le cadenas parce que je l'ai approuvé, bien que ça soit un self-sign, là, more information, view certificate. Donc là, j'ai auto-signé mon certificat, donc de ce serveur-là vers lui-même. Donc c'est pas signé par une entité externe. Mais bon, ça va faire le travail pareil dans la situation. Ça change pas grand-chose. Vous pouvez utiliser, là je ne sais pas sous Windows qui est disponible, mais avec la commande OpenSSL qui nous permet de communiquer directement. Donc comme je dis toujours, hein, ce que je vais essayer, c'est toujours d'enlever des intermédiaires, que ce soit le browser ou tout, pour essayer de communiquer le plus raw possible pour faire du debugging. Parce que le browser ou peu importe l'outil, là, plus il fait de choses intelligentes, plus ben, il peut m'obstruer, gérer des codes d'erreur, alors que moi je veux juste l'avoir en plus en brut pour pouvoir faire l'analyse. Donc ici, j'utilise, là c'est l'adresse IP2 par contre. J'utilise OpenSSL, S-Connect, je lui dis le client, et je vais taper directement sur le serveur. Et là, il me renvoie, je pourrais faire même get slash. C'est comme un telnet, mais qui parle en SSL. Et ici, ce qu'il va lui va me renvoyer, c'est le certificat qui m'a été fourni. Le type de SSL qui a été utilisé, le cipher. Donc, je vais avoir l'ensemble des informations plus en raw. Et l'avantage du OpenSSL, bon, là, je fais un petit crochet. Si vous testez pour désactiver du SSL V3 ou si vous voulez, on peut dire connecte-toi en SSL 3. Puis là, normalement, le serveur Apache, il va te refuser à cause des niveaux de chiffrement. Mais ça permet vraiment de tester et de spécifier ton cipher, qu'est-ce que tu veux. Spécifier clairement le protocole que tu veux utiliser. Donc, c'est vrai, c'est assez intéressant. Et l'avantage, c'est que ici, je communique avec du 443, mais ça peut être du IMAP-S, ça peut être n'importe quel. C'est du SSL. Donc, lui, il va y aller en brut, puis il va essayer juste de récupérer. Donc, j'ai une marge de manœuvre, peu importe le port qui est utilisé. Donc, là, j'ai mon certificat. J'avais fait une vidéo sur. Puis là, je l'ai extrait là, dans le cours Apache où on avait expliqué comment le système HTTPS fonctionnait. 33 minutes, si ça vous intéresse. Que j'avais fait, qui est sur YouTube aussi. Là, ça, c'est le site web que je me suis référé pour avoir plus d'informations aussi. Si vous voulez juste faire en sorte que ça marche, peu importe sans comprendre. Il est très bien fait.
step by step, ça va marcher. Mais on va faire un peu plus. En tout cas, c'est ça l'objectif. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le Furter, donc le browser qu'on utilise, pour déchiffrer le contenu. Là, j'ai mis la clé, je vais quand même la récupérer avant. Et ce que je vais vouloir faire, on va d'abord essayer. Là, moi, mon principe, je me suis vraiment amusé quand j'ai fait cette formation-là, c'est que je me suis dit, ah, j'utilise la clé privée, fait que je vais être en mesure de tout déchiffrer. Et j'ai la clé privée du serveur. Et c'est là que je me suis rendu compte que non. Même si j'ai juste la clé du serveur, je n'arrive pas à déchiffrer l'ensemble des communications. Il va me falloir une information en plus. Et c'est ça que dans mon concept à l'origine, ben, je me dis, t'as la clé, là, puis that's it, là, t'es correct, là, tu peux tout faire, là, tu as tout l'ensemble de l'information. Mais dans la réalité, c'est pas vrai, ça marche pas. Donc, on va voir justement la première partie où avec uniquement la clé privée du serveur. Donc, je vais aller la chercher. Ici. Donc, si on regarde, site enable, cd, tc, à page 2, site enable, 4, site a, ssl, grep.issl. Donc, ça, c'est le certificat. Le certificat, je m'en fous, de toute manière, il est public. Et ça, c'est la clé que je vais vouloir récupérer. Je vais faire quelque chose de pas bien, mais c'est pas grave. Je vais la mettre dans TMP. C'est ça. Non, c'est HMOD. Parfait, il est déjà et demi, c'est super. Et je vais la récupérer. SCP, bomb, at 2 et je récupère dans TMP étoile.key. Toto. Voilà. Donc là, j'ai la clé qui est dans le répertoire. Je vais démarrer Wireshark. Et on va essayer de déchiffrer la communication avec uniquement la clé privée du serveur. Est-ce que j'ai remis le diagramme? Parfait. Je vais faire la configuration du SSL. Donc, edit préférence. Ça rame un peu, mais c'est pas grave. Même si c'est du TLS, on met juste dans SSL, donc c'est correct. RSA key où je définis la clé. Je vais être utilisé. Je vais rajouter une clé. 1702. Il paraît que c'est important de mettre l'adresse IP parce que Wireshark, vu qu'il ne voit pas le contenu, il ne fait pas la résolution, donc il faut mettre l'adresse IP, même si nous on va mettre le nom résolu. Home, formation SSL et la clé qui est là. Protocole, jusque SSL. Parfait. Donc là, je pourrais avoir une liste de clés qui seraient présentes pour faire le déchiffrement, là, tout dépendant si vous avez plusieurs services qui est présent. Parfait. Ok. Je vais mettre tout de suite le fichier de debug du SSL parce qu'on va s'y référer là, donc je préfère qu'on l'ait tout de suite. Mais ça, c'est vraiment utilisé pour plus pour de l'information pour nous. Debug, Wireshark. Parce que pour qu'on voit justement le problème. Hop, point log. Ah, scheisse. Point log. Tout est là. En fait, ce qui va nous manquer, c'est la pre-shared key. C'est ce qu'on va voir un peu plus tard. C'est pour ça que je ne remplis pas cette information-là, mais qui sera requise. Parfait. Je pense que je n'ai rien oublié. Ah, c'est protocole, c'était HTTP. Excusez. J'aurais mieux fait de vérifier avant. Toi, la vitesse, ça va. Zup. Ça, edit.
Parfait. Et on va commencer à faire l'écoute de la communication. Bon, Docker 0, start. On va mettre uniquement pour l'adresse IP qui nous intéresse, même s'il n'y a pas grand-chose qui roule. Ça enlèvera le noise. Apply, ça écoute. Okay. Puis là, je vais faire un refresh ici. Parfait. Donc, syncNAC hack. Donc, la communication s'est bien fait. Je vais l'arrêter maintenant, ça ne fait rien. Donc, on voit syncNAC hack, la connexion TCP s'est effectuée. Et à la fin, j'ai le FNAC hack. Donc, c'est la connexion assez fermée. Et si je regarde dans mon browser, j'ai bien eu la page qui est arrivée. Donc, l'ensemble de la communication est faite. Et ici, donc si je prendrais TLS, je right-click. Si j'avais l'ensemble de l'information, si je cliquais sur Follow SSL Stream, il devrait me fournir l'ensemble de la communication qui a été chiffrée. Ce qui n'est pas le cas dans la situation. Parce que ça n'a pas marché, le déchiffrement. Si on regarde, si on va avoir le stream TCP en raw, ben, on voit au début, donc là, faut avoir l'œil, là, œil de lynx, là, mais là, on voit, c'est le certificat qui a été transféré, et après, l'ensemble de la communication, effectivement, elle est chiffrée, et je ne l'ai pas. Okay. Si vous regardez la vidéo, ici, j'ai le client Allo où il fournit de l'information en SSL. Là, le serveur, il répond avec son certificat et ici, il y a un échange de clés qui est réalisé. Okay. En fait, tout se joue là, ici. Je suis en mesure de déchiffrer cette information, mais il me manque une donnée. Et j'y arrive avec ça. Donc, uniquement avec le certificat SSL, ça ne marche pas. On va regarder à l'intérieur du fichier de debug que j'ai configuré et on va voir la raison pourquoi ça a chisé. Information SSL, BIM, debug Wireshark. Là, moi, je trouvais qu'il y avait ben trop d'informations. Là, c'est long un peu à lire. Mais quand tu regardes, là, il dit qu'il n'arrive pas à trouver la pre-master key. Donc, il y a une clé qu'il n'a pas réussi à trouver. Là, mais pourtant, je lui ai fourni la clé du certificat du serveur. On va regarder maintenant comment le protocole y marche pour comprendre c'est quoi la source de la problématique. C'est pour ça qu'on dit parfois ça ne marche pas, mais il y a une vraie raison. syncNAC hack, connexion établie TCP. Le client Hello, ce qu'il va lui va fournir, bon, la version des protocoles SSL qui supportent, un session ID, la liste des ciphers qu'il va supporter et bon, d'autres informations avec le client Hello. Le serveur, quand il répond, il donne la version du protocole qui va être utilisé. Donc, si le client il dit, moi, je supporte SSL V3, TLS 1, TLS 1.1, puis 1.2, ben, le serveur il va dire, ah, ben, je vais prendre le plus fort, moi aussi. Puis, de toute manière, je ne supporte pas SSL V3. Donc, tu sais, ça va permettre de. Donc, c'est le serveur qui décide les protocoles qui vont être utilisés. Il va choisir le cipher. Le cipher, en fait, c'est que la communication en SSL avec les certificats, avec la clé publique et la clé privée, c'est très lourd pour le CPU. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la communication en SSL? C'est que ils vont communiquer au début avec les certificats, mais en fait, ils vont juste communiquer pour s'échanger une clé symétrique. Parce que les clés asymétriques, c'est très lourd. Donc, ils s'échangent une clé symétrique pour que ça soit beaucoup plus rapide pour faire le processing. Okay? Je vous laisserai regarder pour ceux qui sont moins à l'aise avec le concept asymétrique, symétrique, là. Mais les symétriques, pour faire simple, les deux, ils ont le même mot de passe, puis ils déchiffrent avec la même clé. That's pretty much. Et c'est beaucoup plus rapide. Et donc là, le serveur va envoyer aussi son certificat qui va être validé par le client. Le client, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va générer une pre-master key. Ben, il va valider le certificat. Il va générer une pre-master key et il va l'envoyer en chiffrant avec la clé publique du serveur la pre-master key. Okay. Et après, ils vont communiquer en symétrique, excusez, l'ensemble des communications. Okay. C'est pour ça ici que, là ici, il me dit, can decrypt
Pre-Master Secret. Et à un moment donné, il va me dire Confound Secret Master. Ah, je vais chercher un master. Ok. Self-generate, found, DH, key exchange, impossible to decrypt, blablabla, can't decrypt pre-master key. Okay. Donc, la problématique, en fait, institue dans cet échange de clés pour la clé symétrique. Ok ? Des questions ? Ça, c'est un autre diagramme qui représente sensiblement la même chose, okay. Avec d'autres informations. Là, ce qu'on va faire, je vais déjà faire en sorte que ça marche, puis après, on va gratter un petit peu plus où ça fait mal. Ici, j'ai mis le lien aussi du système que j'ai de référence. On peut utiliser pour dire à Firefox, ben, store tes clés, donc la pre-master key, tout ce que tu as généré pour la communication SSL, store-le dans un fichier de données. Okay. Donc, on va l'exécuter. Là, il va falloir que je ferme mon Firefox pour ça. J'exulte. C'est pas grave. Je vais le faire. Je vais. Ah, bah oui, hein. Là, j'aurais dû le pester avant. Enfin, je le redémarre, je le sais pas. Ça. Ça, je vais le pester tout de suite cette fois-ci. Hop, ok. Faudrait que j'arrête Firefox par contre. Ok, donc. Et je démarre Firefox. Parfait. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me créer le fichier dans le TMP. TMP. Et c'est celle keylog qui va être là, qui est en fait, lui, il génère des... Il va stocker les informations des numéros random qu'il a utilisés et la master key qui va être là, qui va être utilisée, pour, la pre-master key pour lui. Ok. Je vais le repartir sur Moodle. Et je vais... Donc là j'ai montré rapidement, je vais changer la configuration de Wireshark pour que maintenant il prenne en considération ce fichier de log. C'est arrêté. Parfait. Préférence. Allez. C'est celle. Et log file ici. TMP. Donc là, j'ai mis la pre-master key qui est là. Est-ce que je serais déjà là? Et je vais recommencer à sniffer la communication. Voilà. 0, 2. Parfait. Sniff. Okay. Et je vais réétablir la communication. Point Linux. Parfait. Donc là, j'ai bien le site web. Et voilà, j'ai un shift refresh. Ok. Et là, maintenant, on voit déjà tout de suite, il m'a déchiffré le contenu qu'on n'avait pas à l'origine. Le get HTTP, etc. Le logo. Et si je fais follow SSL stream, ah oui, effectivement. Là, j'ai l'ensemble de la communication. Bah, ça, c'est l'image. Donc, c'est l'image, ça reste binaire. Là. Mais j'ai l'ensemble de la communication qui est là. OK. Moi, ce que je m'étais dit... Ah, je vais sauter. Ce que je fais,
Ouais. Je vais tout de suite aller pour les guerriers. C'est pas grave. Parce que j'aime pas laisser en plan sur la source du problème, en fait. Ouais, c'est bon. La problématique, pourquoi j'arrive pas à déchiffrer, moi je me suis dit, je devrais réussir à être en mesure de le déchiffrer. Si on, ça, c'est une autre représentation, mais là au moins, tu as les clés qui sont transigées. Okay, pour la... Le client, il génère un numéro aléatoire, le RNC. Il envoie Hello au serveur avec le RNC. Le serveur génère aussi un nombre aléatoire et il l'envoie, en fait, c'est les session ID là, qu'on avait vu. Là, donc, et il le renvoie au niveau du client. Okay? Je passe la partie, le serveur envoie son certificat et il demande son certificat, oui, c'est en allemand à l'origine, au client. Bon, peu importe si le client, il n'a pas toujours nécessairement de certificat. Mais on voit que les deux, ils ont les deux numéros, les deux chiffres aléatoires de chaque côté à ce stade-ci. Et le client génère un numéro aléatoire et il envoie le pre-master key au serveur avec, en le chiffrant avec la clé publique du serveur. Et à la fin, ils ont la master key. Fait que moi, j'étais dans le train et puis je me suis dit... Si c'est juste un putain de calcul à faire avec les trois chiffres qui de toute manière transigent sur le fil, là, parce que tu sais, l'ensemble, on voit qu'ils ont l'ensemble de l'information là. C'est tout con là. Jaune, rouge, bleu. Là. Fait que là, ça a transigé sur le fil quelque part. Là. Et moi, je suis capable de déchiffrer avec la clé privée du serveur la pre-master key qui est à l'origine envoyée par le client. So, si c'est juste un putain de calcul, si Apache est capable de le faire, ben j'ai le code source d'Apache. Ipso facto, je devrais être capable de le faire. T'sais, après, tu peux te faire chier là, mais à la fin, t'sais, je veux dire, c'est quelque part. Ça sort pas des nimbles. Donc là, c'est là que j'ai commencé vraiment à travailler là, comme je disais, 5 ou 6 trajets de train là pour réussir à l'avoir, parce que je me suis dit, putain, si je regarde sur papier, ça le fait quoi. Tout transige dessus. La problématique en fait qui se passe. Hein? Attends, j'étais-tu là déjà? Les guerriers, okay. La problématique, donc, ah ouais, là c'est vrai, j'ai fait le détail en plus. Là j'ai déjà déchiffré donc. Si vous pouvez voir en plus dans la vue là, paquet byte, le client Hello, tu peux aller chercher l'ensemble de l'information qui a été transigée. SSL record, tac, le protocole, et tu peux aller chercher le numéro aléatoire qui est là. Donc moi, je suis allé chercher l'ensemble des informations avec le serveur aussi, donc ici les random bytes, et j'étais allé chercher aussi, il est où putain de... ouais, là, je suis en mode déchiffré, là. Change server finish. Tu là? Cipher message. Ah, là, le problème, il l'a déjà déchiffré. Ah oui, l'extension. En tout cas, là, il y avait le cipher qui était utilisé. Mais j'avais réussi à voir la pre-master key qui était envoyée. En fait, là, ce que je pensais être. Le problème, que pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi on n'y arrive pas à le faire, c'est que... là, c'est moi qui l'ai fait l'image. Là, je suis vraiment désolé. Elle n'était pas libre, puis fait que là j'ai dû la refaire avec les données. Fait que ça a donné ce que ça a donné. Comment ils utilisent pour faire le transfert de protocole, c'est qu'ils utilisent le elliptic curve Diffie-Hellman. Donc en fait c'est une courbe elliptique, puis en calculant 2 points, ils arrivent à savoir à avoir une clé partagée. Le calcul, là, ouais, c'est pour ça que ça marche. Ouais. La clé privée. Le client génère une clé privée. Il y a 2 chiffres qui doivent être connus. P, le nombre premier, donc 13, et le G qui est le générateur P. En fait, c'est les 2 nombres qui sont échangés au début, le rouge et le jaune. Pif, ici, jaune et le rouge. Okay. Donc, c'est comme ça qu'ils s'organisent pour pouvoir avoir ces informations. Okay. Et
Donc là, ils génèrent donc chacun une clé privée de leur côté. Et avec des calculs savants que je me dis que ça marche et que ça sert à rien, que j'essaye de le craquer parce que y a des gens qui sont vraiment plus intelligents que moi qui ont dû s'amuser là-dessus. Et en fait, eux, ils ont fait un calcul et ils ont généré en fait des clés publiques qui sont échangées. Et avec le même calcul savant, là, ils ont chacun une clé identique pour symétrique à ce niveau-là. Là, le calcul, vous lirez sur le site web de Elliptic Machin, là, ils expliquent ça, et puis moi, je n'arriverai pas à l'expliquer convenablement aussi bien qu'eux. Là, donc, mais on voit que la clé privée qui a été utilisée, elle n'est jamais transportée sur le câble. C'est pour ça que je n'arrive pas à le récupérer et à déchiffrer le contenu. C'est uniquement la clé publique, et avec cette clé publique-là, je peux pas rien faire parce qu'il manque la clé privée de référence qui était là à l'origine. Parce qu'elle est utilisée dans le calcul savant à la fin. Et c'est pour ça que je suis incapable de le déchiffrer. Même si j'ai la clé privée, une clé privée qui n'est pas celle-là, là, du serveur en fait. I'm just fucked. Je peux pas rien faire avec ça. C'est pour ça que j'ai besoin que, dans le cas présent, vu que je le fais sur le client, dans le fichier SSL que j'ai mis là, quand j'ai fait le export avant de démarrer le Firefox, lui il a stocké l'information, puis il a même stocké l'information finale là aussi. Là, ça va plus vite, là, faut pas être obligé de faire le calcul. Là. J'ai fait l'ensemble du traitement ici où je suis allé justement chercher l'information. Et où je suis allé aussi, donc là où j'ai essayé de récupérer l'ensemble des nombres. Et quand je suis arrivé sur le Diffie-Hellman, là, on fait comme ici le Client Key Exchange qui avait été envoyé. Ici, c'est le Diffie-Hellman Client Parameter. Et on voit, c'est la public key qui est transmise uniquement au serveur lors de la communication. Cette fameuse clé qui est la bleue, là, qui est envoyée. Qui me permet pas de le déchiffrer. Donc ça c'est un réel problème parce que là ça va bien parce que quand je fais la démonstration avec Firefox, j'ai le client pour pouvoir l'exporter. Mais si vous avez développé votre propre application et que vous voulez le déchiffrer, ça peut être un peu compliqué. La solution pour ça, comme le problème, c'est dans le cipher qui est utilisé, vous avez quelques options qui est possible. Le cipher, il est négocié avec le serveur. Donc, dans votre serveur, ce que vous pouvez faire, c'est dire, vous supportez uniquement le RSA, mais sans le DHE. Là. Donc, réduire le niveau de chiffrement pour faire en sorte que la pre-master key soit échangée et à ce moment-là pouvoir capter l'information. Et là, ça marche. Donc, ici, dans la suite des ciphers, je ne permets pas. En fait, ce qui est listé ici, il n'y a pas listé le DHE, le Diffie-Hellman. Ça, c'est une des possibilités. La problématique, c'est que si vous faites ça, si vous déboguez un serveur en production, as-tu envie de descendre ton niveau de sécurité de l'ensemble de tes clients en prod? Ça peut être compliqué dans cette situation. Quand tu es dans un lab, il n'y a pas de problème. Tu vas le réduire le truc, tu vas le déchiffrer, puis ça va bien se faire. Okay, là, j'avais enlevé. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez voir aussi comment ça a été négocié. Là. Donc, avec Wireshark, quand vous allez dans le SSL, récupérer l'information. Choisis le paquet. Ah, j'ai une erreur. Si vous êtes dans votre browser, vous pouvez désactiver l'ensemble des chiffrements hauts. Donc avec Firefox, où tu vas dans About Config, puis tu fais Disable à tout ce qui est DEC, DSA, puis DHE. Là. Puis tu vas réussir à le désactiver. Donc ton browser, quand il va négocier avec le serveur, il va juste négocier avec des encryptions basses. Si ton serveur exige du haut, tu seras fourré de toute manière aussi. Donc, il n'y a pas que des miracles. Et si vous communiquez avec, si vous utilisez une application Java, il va falloir que vous passiez en paramètres Disable Algorithm, DHE, puis EC, mais je ne l'ai pas testé moi.
Donc ça peut être sur la JVM, passer en paramètres. Donc comme ça, tu gardes une encryption basse. Ou, tout dépendant de l'application que tu as ou la librairie que tu utilises pour qu'il fasse comme Firefox, c'est-à-dire comme exporter l'information dans un fichier, là. Mais ça dépend dans quelle situation vous êtes, là. Tu n'as peut-être pas nécessairement envie de modifier ton code pour déboguer un problème. C'est qu'est-ce que tu as, qu'est-ce qui a réglé là, c'est le problème? Est-ce que c'est la modification de ton code ou que tu l'as recompilé ou peut-être tu te retrouves avec un inconnu là, qui est moins agréable. Je vous invite vraiment à lire, c'était vraiment, en tout cas moi j'ai vraiment trippé là. Puis j'ai vraiment cru qu'un jour j'allais être en couverture de Linux Security, là, mais ça a été un rêve qui s'est vite achevé, là. Mais c'est vraiment intéressant de constater que même si tu as réussi, mettons que tu réussissais à hacker un serveur puis à lui voler sa clé, bah, tu serais quand même pas en mesure de déchiffrer l'ensemble des communications qui passent. Parce que il reste que il y a des inconnus qui sont générés on the fly lors de la communication. C'est sweet quand même. Puis vous pourrez lire sur le Differ, là, c'est vraiment intéressant. L'exemple qu'il donne en français, là, celui, l'échange de clés Differ, ils font le même exemple avec des couleurs, mais moi j'ai rien compris là-dessus. Là. Non, mais il faut être honnête, là. Moi le truc de clé m'avait beaucoup plus parlé, où ils font common color, plus machin, ils échangent les clés, puis moi, de toute manière, quand je mélange les couleurs, ça donne toujours brun, anyway, là. Fait que, je vois pas le truc, là. Mais bon, peu importe, là. Eux, c'est une autre façon de le représenter, là. Mais, comme dit moi, ça m'a pas parlé, là. Je préférais faire mon dessin, qui est moche, il me parlait plus. Mais je vous invite vraiment à le lire. C'est vraiment intéressant. Moi, j'ai vraiment trippé. Voilà, on va s'arrêter aujourd'hui. Excuse, ça a été peut-être un peu décousu, là, mais c'était pas évident à démontrer, soit avec le temps qu'on a. Ce qu'on fera la prochaine fois, c'est qu'on va faire un transfert de fichiers entre deux machines et je vais rajouter du IP tables en plein milieu pour couper la communication en cours de route. Puis on le redémarrera par la suite. Et on va voir justement le noise que ça fait dans Wireshark, puis le comportement. Sinon, ah oui, si vous voulez tout de suite voir, je fais juste un clin d'œil s'il y a des commentaires qui s'en suivraient. On fera aussi les statistiques, là. Mais j'ai fait le processus d'analyse du réseau. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, je fais une démonstration. Quelqu'un vient me voir, puis il me dit, ah, peux-tu m'aider, machin. J'aide les gens, puis un mois ou 2 mois après, vu qu'ils ont de nouveau le problème, ben, ils viennent me voir parce qu'ils ne savent pas le processus analytique, je puis dire, là, que j'ai fait pour l'analyse du problème. Donc j'ai juste fait un flowchart qui peut aider les gens un petit peu. Il n'est pas complet, il y a encore du travail à faire, là, mais c'est une ébauche, c'est un début, là. Donc tu as un problème, il y a deux graphes qui existent. Il y a le user flow, là, tu sais, où il fait juste des analyses, donc il n'est pas admin réseau, il ne peut pas changer les règles de firewall. Puis j'ai fait l'autre où ben, tu peux plus changer les règles de firewall. Donc tu sais, des trucs de base, genre est-ce que l'adresse IP elle est bonne, valider le réseau, est-ce qu'il y a un web portal. Tu sais, toutes les choses que tu oublies de faire, là. Ah, est-ce que le telnet, NC, ben ouais, mais tu sais, quand tu es dans le problème, ben, tu ne penses pas nécessairement à le faire. Donc juste pour avoir un petit flowchart de processus analytique pour le réseau. Et comme je disais, j'ai fait la même chose pour l'admin qui gère le firewall. Ouais, il est un peu plus gros, là. Il y a un peu plus de choses à checker. Home. Attends. Home. Je peux pas. Ou là, on regarde les règles. Ouais, je l'ai fait pour IP tables, là, mais ça reste pareil pour les autres, là. Les problèmes de connexion, les règles en entrée, tac-tac. Est-ce que c'est established, la validation des ports, etc. Donc. Avec le netting aussi, là. C'est sûr que ça se complexifie un peu, pas mal plus vite. Mais si vous avez l'occasion de jeter un œil et d'avoir un feedback, là, ça pourrait. S'il manque des choses qu'il faudrait rajouter. Et voilà.